fin. En anglais, ça s'appelle The Quick Green Harvester. Donc ça a été inventé par un Américain qui s'est inspiré d'Eliot Coleman. Donc en fait, ça va nous servir à récolter le mesclun assez vite. On va gagner pas mal de temps. Donc c'est tout simple, ça marche avec une perceuse. Alors Héloïse. Donc là, on a juste à mettre la perceuse ici. Ensuite, on la serre. Et ensuite, on va aller dans le champ. Et du coup, en fait, c'est tout simple. Il y a une lame qui va bouger, qui va couper la roquette, la moutarde, etc. Et les petits trucs, là, ils vont balancer au fond du Green Harvester. Et après, on a juste à mettre dans la caisse. Et donc ça marche quand la planche, elle est bien semée, qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. Et ça marche pas avec tous les légumes. Ça marche super bien avec la roquette, ça marche super bien avec la moutarde. On va voir ça dans le champ. Héloïse, elle va vous montrer. On y va. C'est bon, on va y aller. On a tout, hein. Bah vas-y, c'est je bon, te suis. Donc aujourd'hui, on va récolter du mesclun asiatique et de la roquette. Comme vous pouvez le voir, les planches sont assez propres. Donc après le semi, on passe la hercétrie. Ça nous permet d'avoir aucune mauvaise herbe. Donc là, on a le mesclun asiatique qui est vraiment joli. Il a une bonne hauteur. Et la roquette, c'est pareil. C'est parfait pour passer la récolteuse. C'est vraiment important d'avoir des planches sans mauvaise herbe pour pouvoir passer la récolteuse. Ça nous évite d'avoir du tri à faire à la fin de la récolte. Voilà, là, on prend des petites batteries parce qu'on n'avait plus de batterie. Là, c'est bon, on a nos trois traits. La récolteuse à mesclun, elle va bien fonctionner. Voilà, là la planche, elle est un petit peu haute, mais ça le fait quand même. Donc voilà, là on récolte quand même pas mal de kilos à l'heure. Donc voilà, là c'est bien coupé, il n'y a pas de mauvaises herbes. C'est magnifique, bravo Héloïse. Trop cool. Voilà, vous voyez, par exemple, on a une petite adventice, là, une petite mauvaise herbe. Donc ça, bon, c'est pas bien grave. Faut pas que ce soit du chardon, quoi. Donc du coup c'est un outil qui coûte assez cher, mais après il est quand même super rentable quand on gagne beaucoup de temps. Il faut cultiver beaucoup de verdurettes pour qu'il soit rentable. Mais comme vous avez pu le voir, il marche super bien. Après le seul truc c'est qu'il faut que les planches soient vraiment propres. C'est le seul truc important. Et sinon c'est vraiment cool.